direct avec l'entraîneur Pierre-Luc Laforêt. Pierre-Luc, qu'est-ce que tu retiens de ce match complètement fou? C'est un match assez bizarre, comme tu disais, avec Eric Graves, la blessure à Eric Graves, et puis après ça, les lanceurs qui sont venus dans le match. On a eu la grosse manche en deuxième manche contre Carl, et puis c'était une game très excitante. En fin de compte, on a gagné, et puis on est très content qu'Eric va être correct aussi. À quel point ça fait du bien au moral de gagner cette game-là quand t'as laissé filer une avance de 5-0? C'est incroyable, les releveurs ont fait un job fantastique aujourd'hui, et puis c'est ça qu'on veut voir de nos releveurs, tu sais, c'est de venir dans le match, lancer des prises, et puis arrêter l'offense. Donc de là, comme je disais, là, Brad Street a fait un très bon job aussi, et puis extrêmement heureux de la victoire. Est-ce que c'était difficile à gérer comme match avec un alignement quand même réduit pour toi? Juste me parler de cet aspect-là, s'il vous plaît, et aussi aborder la performance de Nick Purdy. Tu veux jamais être dans une situation de même. On a 9 joueurs dans l'équipe présentement. Et puis, quand il faut apporter un lanceur dans ton alignement, premièrement, tu veux pas qu'il se blesse. Deuxièmement, Nick, il était frappeur au collège, mais en même temps, ça fait quand même assez longtemps qu'il a pas frappé. Mais il a fait une très bonne job. Il a eu la chance de jouer au premier but dans le champ droit et puis venir avoir la victoire. Donc, grosse journée pour Purdy. C'était les échos de vestiaire.